Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 15 mai, le lendemain du reset, et on se retrouve pour la quatrième partie de la quête Où est Archie? Archie qui va nous emmener cette fois-ci sur la Lune. Allez, c'est parti! Après un bref passage chez Ada One au niveau de la tour, elle nous invite à nous rendre auprès d'Eris Morn sur la Lune. Rendez-vous donc au spawn afin de parler à Eris et de récupérer la suite de la quête. Elle nous indique qu'elle a aperçu Archie au niveau de la zone du poste de l'archer. Prenez donc votre passereau et direction la gauche de la map dans la zone de l'accélérateur au niveau de l'archer. Je vous montre directement dans le gameplay où se trouvent les empreintes de la première position d'Archie. Par la suite, les traces vont nous emmener au niveau du temple de Cropta. De nouveau, depuis le spawn, il vous suffira de vous rendre sur la droite de la map cette fois-ci, au temple de Cropta, là où les gardiens ont réveillé la ruche pour la première fois. Rendez-vous au fond du temple, là où nous avions l'habitude d'affronter une prêtresse, afin d'y trouver les empreintes d'Archie. Les instructions sur l'emplacement suivant nous sont alors données. On nous parle d'un prince de la ruche, de sorcières ayant amorcé un rituel. Vous l'aurez compris, il faut vous rendre au gouffre des enfers. Pour ce faire, téléportez-vous au port de malheur et rendez-vous en direction du gouffre. En réalité, il suffira simplement de vous rendre dans la zone où l'on pouvait ouvrir l'entrée du raid, la chute de Cropta. Vous trouverez donc les empreintes à quelques mètres seulement de l'entrée du portail. Dernier emplacement, on nous parle de pyramide. Il s'agit bien évidemment de l'endroit où nous avons rencontré les pyramides pour la première fois dans la campagne. Rendez-vous donc à la Bistenas et pour ce faire, téléportez-vous au port de Malheur, prenez la direction du nord de la map et suivez le cheminement que je vais vous montrer à l'écran afin de vous rendre dans la zone où se trouvaient les pyramides que nous avions rencontrées au moment de notre première rencontre. Et voilà, c'est terminé, vous avez récupéré Archie, ramenez-le à la tour, passez rendre visite à Ada pour la prévenir qu'Archie est bien rentré et récupérez au passage votre loot. Vous aurez également débloqué un peu de triomphe et ce sera la fin de cette quatrième partie de la quête Où est Archie? Je vous souhaite une bonne journée, qui est bien et à bientôt, bye bye!